Et salut tout le monde, c'est Lucas de Japourizo. On se retrouve aujourd'hui pour continuer cette review d'été et on cause aujourd'hui de Orange. Orange est à l'origine un manga créé par Ichigo Takano, il a débuté en 2012 et dénombre au total 5 tomes reliés au Japon. La série animée débute le 3 juillet 2016 au Japon et en France sur Crunchyroll. Un matin, Takamiya Nao reçoit une lettre du futur par celle qu'elle est devenue 10 ans plus tard. Rongée par de nombreux remords, Nao du futur souhaite aider son elle du passé au lycée pour pas ne faire les mêmes erreurs. Ainsi, la lettre lui décrit les événements qui vont se dérouler dans sa vie lors des prochains mois et les comportements adoptés pour les changer. Elle y apprend notamment que Kakeru Naluse, le nouvel élève de sa classe qui ne la laisse pas indifférente, n'est plus de ce monde dans le futur. Alors quand on regarde ce premier épisode, on a tout de suite l'impression qu'on tombe dans un shoujo tout à fait banal, avec bien évidemment ce nouvel élève qui arrive dans la classe, ce professeur qui va placer cet élève à côté de l'héroïne, qui va évidemment immédiatement tomber amoureuse de lui, etc. etc. Mais arrive un élément perturbateur, cette fameuse lettre. Au début, Takamiya n'a pas l'air d'y croire, mais il faut se rendre à l'évidence, tout ce qui est prédit dans cette lettre se réalise vraiment. La Takamiya du futur est remplie de regrets, c'est pour ça qu'elle indique la marche à suivre à la Takamiya du présent, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Tous les événements qui sont modifiés grâce à cette lettre paraissent à première vue anodins, mais ils ont un réel impact sur son existence future. Comme par exemple ce moment où l'équipe de baseball lui demande de remplacer la batteuse de l'équipe pour le dernier lancer décisif de la partie. Dans la lettre, elle y apprend que si elle refuse, son amie prendra sa place et échouera, alors que si elle décide de changer son destin et accepte, elle permettra à l'équipe de remporter la victoire. La Takamiya du futur veut modifier les événements car elle regrette amèrement d'avoir rendu son amie responsable de la défaite de l'équipe. On peut s'attendre au fait qu'elle n'ait pas que des regrets vis-à-vis des décisions qu'elle n'a pas prises, mais aussi au niveau sentimental, puisqu'il s'agit tout de même d'une romance. On apprend dans ce premier épisode que le garçon en question, Kakeru, ne sera plus de ce monde dans 10 ans. Donc on s'attend à une course contre la montre avec des décisions et des prises de responsabilité qui pourraient bien changer le destin de celui-ci. Après, j'ai pas eu l'occasion de les lire, donc peut-être que certains me diront que je dis n'importe quoi, mais c'est mon ressenti personnel. Pour en venir à l'héroïne, je l'ai trouvée au départ un peu nunuche, mais le fait qu'elle se soit prise en main dès le premier épisode montre qu'elle veut changer les choses et qu'elle veut donner le meilleur de soi-même, et ça c'est un bon point. Pour en venir à l'animation, j'ai trouvé ça très sympathique. En plus de ça, ils ont décidé de choisir des couleurs assez vives et chaudes qui permettent de pleinement apprécier l'épisode. Après, on a affaire à un chara-design plutôt shoujo-esque, on va dire, donc rien de surprenant de ce côté-là. La musique, quant à elle, est très douce et on a beaucoup de morceaux de guitare acoustique, donc pour faire court, c'est une ambiance qui colle parfaitement à ce qu'on nous propose. Donc pour conclure, grâce à ce premier épisode, on peut dire qu'on sort du shoujo habituel, et c'est ça qui est intéressant, même si on y retrouve beaucoup de codes propres à ce registre. Ensuite, j'ai eu beaucoup de retours positifs des personnes ayant lu le manga, donc je fais entièrement confiance à l'animé et je n'hésiterai pas à regarder les épisodes suivants. Sur ce, j'espère vous avoir permis de vous faire une idée de cet animé. Portez-vous bien et à la prochaine !